Bien, bonjour. Je vais donc répondre à un certain nombre de questions relatives à l'ancrage théorique qui est le mien autour de la notion de territoire. Donc, vous avez eu la gentillesse de nous poser toute une série de questions que je vais donc suivre pour exprimer donc ce qu'est cet ancrage théorique, pardon. Alors, qu'entendez-vous par territoire, hein, c'est la première question. Et ce que je voudrais dire ici, c'est que ce que j'entends par territoire est moins important que la question que vous posez elle-même. Ce qui est important, donc, c'est votre question et non pas ma réponse. Et votre question, en fait, suggère qu'un travail soit fait aujourd'hui pour tenter de réunir, de rassembler, de comprendre quelles réponses les chercheurs donnent à la question que vous posez. En effet, certains chercheurs estiment que le territoire existe et est doté, se situe dans le cadre de frontières qui sont fixes. Donc le territoire serait un espace fermé, alors que d'autres chercheurs, au contraire, estiment que le territoire n'existe pas comme tel, il est toujours révélé dans des situations de coordination, c'est un espace ouvert. Eh bien, ce qui est important, c'est en fait de voir que la communauté des chercheurs, eh bien, produit différentes représentations de ce qu'est le territoire. Et il me semble que l'élément déterminant de votre problématique consiste précisément à tenter de construire une ontologie du territoire, c'est-à-dire voir finalement quels sont les objets de cette ontologie, comment les représentations se construisent, comment elles s'organisent. Je crois que c'est ceci qui est important et non pas la définition que je donne moi-même du territoire. Donc pluralité de définition, construction d'une ontologie et différence de représentation. Alors, s'agissant des auteurs principaux dont je me suis inspiré ou dont je m'inspire, Hirschman est un auteur pour moi absolument essentiel puisqu'il a travaillé sur des potentiels de ressources latents. Donc, pour ma propre recherche, c'est quelqu'un qui m'aura beaucoup apporté. Mais plutôt que de citer d'autres chercheurs plutôt dans les sciences économiques, je préférerais mettre l'accent sur l'importance des apports de disciplines comme l'ingénierie des connaissances, qui permet précisément de solliciter des personnes qui travaillent sur la question de la représentation des connaissances, qui, je crois, en fait, oriente votre propre travail à travers cet entretien. Alors, s'agissant de mon socle conceptuel, donc mon propre socle conceptuel s'est construit progressivement, souvent en collaboration avec Bernard Pecker. Donc, avec Bernard Pecker, nous avons distingué des actifs et des ressources. Ces actifs et ressources, nous les avons distingués selon qu'ils étaient génériques ou spécifiques. Nous avons beaucoup travaillé sur les questions de coordination. Nous avons tenter de défendre l'idée d'un territoire révélé, donc en dynamique. Et nous avons aussi beaucoup travaillé, ou j'ai beaucoup travaillé sur les questions d'ancrage des activités, ou encore de viabilité des trajectoires des territoires. Mais encore une fois, je vais me répéter ici, il me semble que la question qui est importante aujourd'hui est de savoir comment se construisent les représentations du territoire dans le cadre du travail de construction d'une ontologie. Alors, les principaux axes d'analyse autour de la question du territoire bien rejoignent ce que je viens de dire, hein, à savoir, première question, comment se construisent les représentations du territoire, comment identifier ces représentations? C'est une question qui est très difficile et qui doit combiner des approches disciplinaires différentes. Hein. Mais nous proposons aussi, avec Maryse Salles, avec laquelle j'ai écrit une contribution présentée dans ce colloque, eh bien, ceci suppose en fait, selon nous, de travailler à trois niveaux. Un niveau qui est celui des doxa, ou vision du territoire, ou représentation du territoire. Un niveau qui est celui des principes et méthodes, ou modèles encore du territoire. Et là, on rejoint certaines choses que j'ai pu écrire en matière de différenciation, de trajectoire territoriale, agglomération, spécialisation, spécification. Ou encore, on peut situer au niveau des normes. Et là, on va, par exemple, identifier les indicateurs qui permettent de suivre ces trajectoires territoriales d'agglomération, de spécialisation ou de spécification. Donc une construction conceptuelle
en trois niveaux, représentation ou doxa, principe, norme. Alors, je crois que la question suivante porte sur les recherches appliquées. Donc, s'agissant de recherches appliquées, la recherche à laquelle j'ai participé très récemment avec Marie Salle est une recherche qui nous a été demandée par le Conseil régional Midi-Pyrénées qui souhaitait mettre en place des indicateurs permettant d'évaluer les politiques de développement territorial local et en particulier l'impact des aides accordées aux entreprises. Donc voilà, c'est cette recherche appliquée qui est la plus récente et qui nous a fait penser que ces indicateurs ne pouvaient pas être construits uniquement sur un plan technique, ni même centralement sur un plan technique, mais devaient être absolument liés à la question des représentations du territoire. Alors, une question suivante, c'est de quelle manière ces réflexions, en fait, alimente mes pratiques appliquées. En fait, le lien est fait en matière de pratiques appliquées dans le cadre d'un dispositif que la région Midi-Pyrénées a mis en place, qui est le dispositif régional d'information sur les mutations économiques, dont j'ai été conseiller. Et en fait, j'ai fait donc ce lien entre la construction conceptuelle que j'ai indiquée tout à l'heure en trois niveaux avec donc ce dispositif régional qui est centré autour de la notion de firme structurante. Une question suivante est de citer les publications les plus représentatives de ma conception théorique. Là, je répondrai de façon très brève que je suggère de consulter un article à paraître dans le Canadian Journal of Regional Science 2009 ou encore un article à paraître dans la RERU début 2010. Donc je crois que ces deux articles sont les plus représentatifs et en même temps les plus récents que j'aurais écrits. S'agissant d'une publication plus appliquée, ce n'est pas vraiment une publication, c'est en fait un texte qui est un rapport de mutation la région Midi-Pyrénées, dans le cadre de l'Observatoire des mutations économiques et du dispositif régional d'information sur les mutations économiques, eh bien, à cet ensemble-là a donné naissance à un groupe de travail constitué essentiellement d'experts et d'industriels auxquels ont été associés Bernard Pecker et Olivier Crévoisier. Et donc ce groupe-là a produit un rapport de mutation économique qui débouche sur un certain nombre de recommandations d'inflexion de la politique économique de la région Midi-Pyrénées. Et j'ai donc eu la chance d'être rapporteur général de la production de ce rapport. Alors, on me demande une remarque complémentaire hein, que je vais donc suivre à laquelle je vais contribuer avec beaucoup de plaisir hein, en disant que, en fait, ce qui me paraît important, c'est véritablement votre démarche et non pas tant la mienne. Ce qui est important, c'est justement de travailler tous ensemble à la construction d'une ontologie qui serait un travail partagé par l'ensemble de la communauté, des gens qui travaillent, quelle que soit leur discipline, autour des questions territoriales. Donc ça, c'est un premier élément. Un second élément pour dire qu'une telle ontologie, de mon point de vue, ne peut être que polydoxique, puisque les représentations sont multiples, elles coexistent, et il est impossible de dire que l'une est meilleure que l'autre. Donc en réalité, c'est bien une construction polydoxique qui doit être finalement probablement notre objet ultime. Et voilà, je vous remercie de votre écoute. Merci.